Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Algérie, retour de la matraque policière 4 ans après le Hirak dans la rue d'Alger. L'Algérie fait face à une nouvelle vague de répression 4 ans après le Hirak. Malgré la gravité de la situation en Algérie, il n'y a guère de voix critique contre le régime Tebboune en provenance d'Europe, un continent qui tente de trouver de nouveaux partenariats énergétiques aux dépens des droits de l'homme. En février 2019, une vague historique de protestations populaires a commencé en Algérie. Elle avait forcé la chute de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, après 20 ans au pouvoir, ce que l'on avait appelé le Hirak algérien visait à empêcher le cinquième mandat de Bouteflika, mais aussi à obtenir plus de démocratie et de réformes politiques. En février dernier, 4 ans après le début des manifestations de masse, les Algériens se souviennent du Hirak dans un contexte de vague de répression de la part du gouvernement actuel de Abdelmjid Tebboune, l'ancien ministre et ancien premier ministre sous le régime de Bouteflika. Abdelmjid Tebboune, qui avait remporté les élections de 2019 avec un faible taux de participation et un fort boycott du Hirak, a conservé des caractéristiques identiques du régime précédent. Les autorités militaires continuent de jouer un rôle clé et les voix critiques sont réduites au silence par la censure, la pression ou l'intimidation. Le gouvernement illégal actuel n'a rien changé au régime Bouteflika. C'est un cinquième mandat sans Bouteflika, mais avec son programme politique, selon des activistes algériens. Un constat partagé avec des professeurs en sciences politiques et relations internationales algériens qui soulignent que le régime algérien n'a pas changé sa nature répressive et fait tout pour éteindre le Hirak par des moyens répressifs. Lorsque Tebboune est arrivé au pouvoir, il a décrit le Hirak comme un mouvement béni qui a sauvé l'Algérie. Mais nous avons vu son gouvernement intensifier la répression à son encontre en ciblant les journalistes indépendants, les avocats, les militants de la société civile et les partis politiques qui s'opposent au régime, disent les mêmes experts. Avec l'arrivée de Tebboune à Al-Mouradia, les protestations n'ont pas pris fin. En effet, dans le cadre de la nouvelle Algérie annoncée par Tebboune, le Hirak a continué à réclamer une transition démocratique, des réformes et la fin de l'influence de l'armée dans tous les domaines. À cet égard, des sources algériennes soulignent que le gouvernement actuel a repositionné à des postes clés des personnes qui étaient à l'époque du terrorisme en tant que militaires ayant une expérience de la répression. La pandémie de coronavirus a été un tournant pour le mouvement qui n'a pas pu poursuivre ses protestations en raison des restrictions sanitaires, en plus de l'impossibilité de descendre dans la rue. La troisième phase de répression du Hirak par les autorités algériennes a eu lieu pendant la crise sanitaire. Comme l'écrit un professeur à la faculté des sciences politiques d'Alger pour l'Institut européen de la Méditerranée, la première phase a commencé après que le chef d'état-major de l'époque, Ahmed Gaid Salah, ait décidé dans l'un de ses discours bimensuels de criminaliser l'utilisation de l'emblème Amazir. Par cette décision, prise sans base légale, unilatéralement, et dirigé contre une pratique répandue dans le Hirak, des centaines d'arrestations ont été justifiées, souligne l'expert. La deuxième vague de répression est intervenue après l'annonce des élections présidentielles.
Les arrestations ont visé des figures emblématiques du soulèvement populaire, comme Karim Tabou, Fodil Boumala, Abdelwahab Fersawi, Samir Belarbi et bien d'autres, affirment ces experts qui considèrent que le mode opératoire de ces arrestations avait plus les caractéristiques d'un kidnapping que d'une véritable détention. L'objectif de ces arrestations était de semer la terreur parmi les militants, de priver les soulèvements populaires de leaders potentiels et de démobiliser le Hirak en vue de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, explique le professeur algérien. Durant la pandémie, les persécutions se sont poursuivies contre des membres du Hirak ou des personnes liées au mouvement, comme la journaliste de Radio M et correspondant des Reporters sans frontières, Khaled Drani, libéré le 19 février 2021, Abdelwahab Fersawi, président de l'association Groupe d'Action de la Jeunesse, libéré le 17 mai, et Walid Rachida, fondateur de la page Facebook Hera Memes. À la fin de l'année 2020, année de la pandémie, les organisations de défense des droits de l'homme ont indiqué qu'il y avait près de 100 prisonniers d'opinion dans les prisons algériennes. La situation s'est considérablement aggravée lorsque les détenus et les avocats ont commencé à dénoncer les conditions d'incarcération des prisonniers, de la privation de contact avec le monde extérieur, l'isolement et la nourriture insuffisante, au refus de soins pour les maladies, les malades graves et à la torture, ajoutent les mêmes experts. La lourde répression menée pendant la pandémie n'a cependant pas empêché le Hirak de se réorganiser à nouveau. Le 22 février 2021, les Algériens de toutes les régions du pays sont à nouveau descendus dans la rue pour marquer le deuxième anniversaire du Hirak. Les manifestants ont crié des slogans contre l'état militaire et le gouvernement Tebboune, un exécutif qu'ils considèrent comme similaire à celui de Bouteflika. Ces milliers d'Algériens voulaient voir le gouvernement du Hirak se réorganiser. Ces milliers d'Algériens voulaient faire comprendre que le mouvement n'était pas mort et que le combat pour une Algérie meilleure était toujours d'actualité, souligne un expert dans Orion 21. Récemment, l'Algérie a connu une série d'événements qui mettent en lumière la grave situation des droits de l'homme dans le pays aujourd'hui. 4 ans après le début du Hirak, l'Algérie connaît une nouvelle vague de répression qui touche surtout les journalistes indépendants, les militaires et les personnalités proches du Hirak. Le mouvement subit actuellement une oppression intense de la part des autorités algériennes. La situation s'aggrave de jour en jour, arrestations, violences policières et judiciaires à l'encontre des militants, discrimination sociale et professionnelle, une catastrophe dans tous les sens du terme, déclare un militant algérien. L'année précédente s'est terminée par l'arrestation du journaliste Ihsen El-Qadi, tandis que 2023 a commencé par la dissolution de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme après 38 ans d'activité. Par la suite, l'Algérie a de nouveau été sous le feu des projecteurs suite à la fuite du pays de la militante et journaliste franco-algérienne Amira Bouraoui, une affaire qui a entraîné une vague d'arrestations en Algérie, mettant en lumière le sort des militants. Pour un expert chercheur et professeur des relations internationales, cette répression n'est pas nouvelle. C'est juste qu'avant, elle était plus sélective. L'Algérie se sent plus courtisée au niveau international à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine,
ce qui fait qu'il y a moins de pression sur les questions des droits de l'homme, car les gouvernements européens regardent ailleurs, explique le même expert. Avec le silence de la communauté internationale, Alger continue d'arrêter des journalistes indépendants, comme c'est le cas d'El Khadi, en prison depuis fin décembre 2022. Le fondateur de Radio M et de Maghreb émergent est accusé de charges liées à la sécurité de l'État, au financement illicite et à la diffusion de propagande. Cependant, la défense du journaliste affirme qu'El Khadi fait l'objet d'un harcèlement judiciaire depuis plus de 2 ans en raison de ses opinions politiques et de son avis sur le Hirak. Pour cette raison, son arrestation a été décrite comme un règlement de compte politique. Des organisations telles que Reporters sans frontières ont demandé à Alger de libérer El Khadi. RSF a également dénoncé cette affaire auprès des Nations Unies, soulignant que cette situation est une nouvelle preuve de la détermination des autorités algériennes qui n'hésite pas à bafouer les droits des journalistes. L'arrestation du journaliste Mostafa Benjama, directeur du quotidien Le Provincial, a également été révélée clandestine, rapporte Interlini. Le portail algérien rapporte également que le journaliste a reçu un appel de la police lui demandant des informations sur le départ d'Amira Bouraoui du territoire national. L'affaire Bouraoui a donné lieu à une série d'arrestations de personnes proches de la militante, désormais sur le territoire français. Après sa fuite, les autorités ont arrêté sa sœur, sa cousine et sa mère de 74 ans souffrant de problèmes cardiaques. Ils ont également arrêté l'expert en géopolitique Raouf Farah, son père, le chauffeur de taxi qui aurait conduit Bouraoui en Tunisie, et un agent de la police des frontières. Le militant Soufiane Berkane a également été placé sous surveillance judiciaire, selon le Comité national pour la libération des prisonniers. El Khadi et Benjama ne sont que 2 exemples de la persécution brutale des journalistes algériens et reflètent les conditions difficiles auxquelles sont confrontés les médias indépendants. L'année dernière, le média Liberté a finalement été fermé en avril pour des raisons financières. Après des années de pression, les employés d'Al-Watan, un journal qui a été fermé plusieurs reprises, ont organisé des grèves pour dénoncer les mauvaises conditions auxquelles ils étaient confrontés. Au milieu de ce panorama, le gouvernement algérien a annoncé une nouvelle loi sur la presse qu'il compte adopter prochainement dans le but, selon Alger, d'aider les journalistes à atteindre un maximum de professionnalisme. En réalité, cette nouvelle loi va mettre la presse libre algérienne encore plus sur la corde raide, car elle sera soumise à davantage de pression et de contrôle de la part du régime dictateur. La nouvelle loi sur la presse ouvrira une nouvelle phase des restrictions sur la presse indépendante et pourra conduire à de nouvelles arrestations et emprisonnements. C'est ce qu'avait déclaré un média à travers un expert responsable de la branche de Tiaret et de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme et syndicaliste indépendant. Le projet de loi n'a pas été consulté par le Conseil national des journalistes. Une histoire similaire s'était déjà produite avec la nouvelle loi controversée sur le travail qui a finalement été reportée en raison de nombreuses critiques qu'elle avait reçues parce que le gouvernement n'avait pas pris en compte l'avis des syndicats lors de son élaboration. On souligne également que cette nouvelle loi affectera le financement des médias qui seront accusés de recevoir des fonds étrangers.
ce qu'ils ont déjà fait avec le Hirak. Au sein de la presse algérienne, les chercheurs mettent en avant la situation de la presse francophone qui, selon eux, est en plein repli. Selon les chercheurs, cette nouvelle vague de répression est aussi un symptôme de faiblesse interne. Sur ce point, l'expert rappelle des poches de protestation en dehors du Hirak, comme les événements de Mila, une ville touchée par un séisme en 2020, où de nombreux bâtiments n'ont toujours pas été reconstruits par les autorités, ce qui a donné lieu à des manifestations qui se sont terminées par d'importants déploiements policiers et des violences. Le gouvernement n'a aucune légitimité, il n'est pas convaincant, soulignent les experts. La vérité est que, en plus des problèmes internes auxquels l'Algérie est confrontée, comme la situation économique, le gouvernement de Tebboune doit faire face à une situation compliquée à l'extérieur de ses frontières. La politique étrangère de l'Algérie a conduit le pays à un isolement régional. Parmi ses défis extérieurs figure son adversité avec le Maroc, que l'Algérie utilise pour persécuter l'opposition. Pour discréditer les voix critiques, Alger parle souvent de manipulation extérieure ou d'ingérence extérieure. En fait, le gouvernement a accusé les membres de la LADDH d'être des agents sionistes et marocains, ce que l'association dément fermement. Mansri Ahmed qualifie ces accusations de fausses et infondées, soulignant que l'Algérie utilise le conflit avec le Maroc à des fins politiques. L'expert-chercheur partage le même avis, soulignant que le régime utilise des problèmes extérieurs, tels que cette confrontation, pour discréditer les dissidents. Les cartes de la main étrangère, de l'atteinte à la souveraineté nationale et de la trahison ont toujours été des leitmotivs du régime pour diaboliser ses opposants, déclare Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, comme il l'a fait avec la LADDH. Le régime a également tenté de délégitimer le Hirak, accusant le mouvement d'abriter des organisations extrémistes et terroristes. C'est cette accusation qui a servi d'alibi pour interdire les marches pacifiques de mars 2021 à ce jour. Malheureusement, et malgré la situation désastreuse en Algérie, le régime Tebboune ne fait guère l'objet de critiques de la part de l'Europe, un continent qui tente de réduire sa dépendance au gaz russe en cherchant de nouveaux alliés énergétiques, et l'Algérie en est devenue un. Les pays européens restent à l'écart en gardant un œil sur les accords gaziers, bien qu'il soit fort probable que l'Algérie suive les traces de la Russie et utilise le gaz comme une arme politique. De plus, malgré le rapprochement que plusieurs nations européennes poussent avec l'Algérie, Alger reste un allié clé de la Russie dans la région, même si le régime algérien tente de donner l'impression de prendre ses distances avec Moscou. L'Union européenne devrait se réveiller et considérer qu'il est essentiel pour son identité et son influence de conserver ses positions de principe fondées sur la démocratie et les droits de l'homme au centre, réfléchit l'expert. Mansri Ahmed, quant à lui, estime que l'Algérie ne peut pas être un partenaire économique à l'avenir. Pour le membre de la LADDH, le pays du Maghreb est une alternative circonstancielle à ce qui vit le continent européen. Ahmed fait également allusion au rapprochement entre l'Algérie et la France, avertissant qu'il pourrait avoir des répercussions très négatives sur les militants présents sur le territoire français,
comme cela s'est produit avec Mohamed Abdullah et Mohamed Ben Halima, qui ont été remis par l'Espagne à l'Algérie. Beaucoup pensent que l'Espagne a été complice de cette répression en ne protégeant pas les réfugiés. L'intéressé fait allusion au potentiel énergétique de l'Algérie, accusant le régime de faire du chantage aux pays européens. Beaucoup de nations préfèrent fermer les yeux sur la répression, par peur, dit-il. Cependant, Salhi prévient que cet accord gaz contre silence est une grave erreur. Les relations internationales ne peuvent pas être basées uniquement sur des intérêts économiques. Selon lui, l'Europe doit défendre ses valeurs. Il prévient également les pays du vieux continent qu'ils seront les premiers à subir les conséquences en cas d'instabilité en Algérie. 4 ans se sont écoulés depuis que le peuple algérien s'est soulevé donc contre un régime dictatorial, militaire et répressif. Malgré un changement de président, le pays continue de subir les mêmes problèmes qu'auparavant. Et actuellement, une vingtaine de journalistes purgent des peines ou sont toujours poursuivis. Environ 260 prisonniers d'opinion sont incarcérés, tandis que des milliers de personnes ont été arrêtées depuis 2019. À l'occasion du 4e anniversaire du Hirak, les Algériens se souviendront du mouvement pacifique qui avait rempli le pays d'espoir de changement. Et aujourd'hui, après 4 ans, les attaques du pouvoir contre toutes les voix critiques, la répression, la résistance pacifique, la résilience et la solidarité internationale continuent, notamment à travers la diaspora algérienne, toujours active dans plusieurs capitales du monde, et ce malgré la complicité grave de la France et la grave complicité du président Emmanuel Macron.